Davantage de ponts, de routes, d'hôpitaux, d'écoles et bien d'autres réalisations verraient le jour si le gouvernement de Côte d'Ivoire disposait de chiffres fiables et actualisés de sa population. C'est l'avis de la Convention de la société civile ivoirienne qui a d'ailleurs lancé un appel à la population de Côte d'Ivoire. Un appel l'invitant à participer massivement à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Au nom de la Convention de la société civile, j'exhorte les Ivoiriens et toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à participer massivement au recensement général de la population et de l'habitat. Dans le souci de décrisper le climat social, la Convention de la société civile ivoirienne encourage le gouvernement à multiplier les gestes d'apaisement en direction de l'opposition. En saluant à ce titre le dégel des avoirs opérés récemment sur les comptes bancaires de certains Ivoiriens, suspendus suite à la crise post-électorale de 2010. Merci à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce grand geste que nous espérons sera aidé à l'avènement d'une paix durable et féconde. Les Ivoiriens attendent des gestes encore plus forts. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, en visite au siège de la Convention de la société civile ivoirienne, a engagé officiellement le coordonnateur général de la dite convention dans cette opération de recensement général de la population et de l'habitat.